بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Séance numéro 2 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice. Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes définies sur R. Petit 1, f de x est égal à racine carrée de 2x plus 1. Puis plus 3x sur racine carrée de x moins x carré. Petit 2, h de x est égal à tangente x sur 2 sinus x plus 1. Petit 3, g de x est égal à 3x plus 1 sur x moins la partie entière de x. Réponse. Petit 1. Déterminant le domaine de définition de la fonction f. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ R, tel que l'image de x existe, c'est-à-dire f de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que je remplace f de x par la racine carrée de 2x plus 1, 2x plus 1 ici, plus 3x sur la racine carrée de x moins x au carré. Tout ça doit appartenir à R. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, bon ici, il faut que 2x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Et pour le dénominateur, bien sûr, il faut que x moins x au carré soit strictement positif. Et x moins x au carré soit strictement positif. Voilà. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1/2. Et x facteur de 1 moins x doit être supérieur strictement à 0. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x supérieur ou égal à moins 1/2. Et si on dresse le tableau de signes de x facteur de 1 moins x, on trouve que x doit être un élément qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1. X appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Si vous voulez, je peux dresser notre tableau facilement ici. Donc ici, x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, x. Ici, 1 moins x. Ici, le produit. Donc ici, 0. Ici, 1. Donc 0 ici. Puis le produit. Ici, 1. Puis le produit qui est nul. Donc, x positif s'il est supérieur ou égal à 0. Négatif s'il est inférieur ou égal à 0. 1 moins x supérieur ou égal à 0, c'est, donc je mets directement ici le signe moins, ici le signe plus, ici le plus, puis ici le signe moins, ici le signe plus, ici le signe moins. Donc, le produit est strictement positif si x appartient à l'intervalle 0,1. Voici notre intervalle 0,1. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'ajouter ça dans notre réponse, c'est évident. Donc je continue. Donc cela veut dire que x appartenant à R, tel que x appartient à l'intervalle moins 1/2 plus l'infini,
et x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, notre domaine de définition, c'est l'intersection de l'intervalle moins 1/2 plus l'infini et l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, je peux dresser soit l'axe qui contient les nombres moins 1/2, 0, 1, ou bien je peux remarquer facilement que l'intervalle ouvert 0, 1, il est inclus dans l'intervalle moins 1/2 plus l'infini. Donc, leur intersection, c'est l'intervalle 0, 1. Ou bien je peux dresser mon axe, voilà, si vous voulez, moins l'infini plus l'infini. Je marque ici 0, ici moins 1/2, ici 1. Le premier intervalle, c'est moins 1/2 plus l'infini, c'est celui-là. Le deuxième intervalle, c'est 0, 1, c'est celui-là. Et comme vous voyez, l'intervalle 0, 1, il est inclus dans l'intervalle moins 1/2 plus l'infini. Donc leur intersection, c'est exactement l'intervalle ouvert 0, 1. C'est ce que je vais écrire ici. Ceci est égal à l'intervalle ouvert 0, 1. Ça, c'est notre domaine de définition de la fonction f. Petit 2, déterminant d2h avec h de x, c'est tangente x sur 2 sinus x plus 1. d2h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que h de x appartenant à R. d2h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que tangente x sur 2 sinus x plus 1 appartenant à R. d2h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que tangente x doit être un élément qui appartient à R, et 2 sinus x plus 1 doit être différent de 0. Vous savez que tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Tangente x existe, c'est-à-dire il appartient à R. Ceci équivaut à dire que cosinus x doit être différent de 0. C'est-à-dire cosinus x doit être différent de cosinus de pi sur 2. Vous savez que cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et d'après la propriété que nous connaissons déjà, cosinus x est égal à cosinus alpha, signifie que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Cosinus x différent de cosinus alpha, c'est-à-dire que x différent de alpha plus k de pi, et x différent de moins alpha plus k de pi. C'est ça. Donc, ça veut dire que x est différent de pi sur 2 plus k de pi. Et x différent de moins pi sur 2 plus k de pi. K appartenant à z. Maintenant, voyons la condition de 2 sinus x plus 1 différent de 0. 2 sinus x plus 1 doit être différent de 0, équivaut à sinus x différent de moins 1/2. C'est-à-dire sinus x
doit être différent de sinus de moins pi sur 6. Vous savez que sinus de pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Est égal à 1 demi. Donc sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Et ici, on va appliquer une propriété qu'on en connaissant déjà. Cosinus x est égal à sinus alpha, c'est-à-dire x est égal à alpha plus k de pi. Ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Donc sinus x différent de sinus alpha, c'est-à-dire x différent de alpha plus k de pi, et x différent de pi sur 2, ou bien pi moins alpha plus k de pi. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Donc ceci est équivalent à x différent de moins pi sur 6 plus k de pi et x différent de pi moins pi sur 6, c'est 7 pi sur 6 plus k de pi, k appartenant à z. Conclusion. D2G, ou bien D2H, oui, D2H, est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme X appartenant à R, tel que X différent de pi sur 2 plus K de pi, et x différent de moins pi sur 2 plus k de pi et x différent de moins pi sur 6 plus k de pi et x différent de 7 pi sur 6 plus k de pi. Avec k, un élément qui appartient à z. Ou encore, on peut écrire dans mes définitions de cette façon, c'est R moins l'ensemble formé par les éléments pi sur 2 plus k de pi, moins pi sur 2 plus k de pi, moins pi sur 6 plus k de pi, 7 pi sur 6 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Voilà, je peux écrire mon ensemble de définitions de cette façon-là. Voilà. Passons à la troisième fonction. Déterminant D de G avec G de X est égal à 3X plus 1 sur X moins la partie entière de X. D de G est égal à l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble des parts qui est R, tel que G de X appartient à l'ensemble d'arrivée qui est l'ensemble R. D de G est égal à l'ensemble des X qui appartient à R, tel que 3x plus 1 sur x moins la partie entière de x doit être un élément qui appartient à R. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que le rapport existe si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire x moins la partie entière de x doit être différent de 0.
c'est-à-dire x appartenant à R telle que la partie entière de x doit être différente de x. Et maintenant, on va se rappeler qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un nombre réel. Je trace par exemple un axe. Qui commence par moins l'infini se termine par plus l'infini. Je marque ici quelques nombres, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, on va se rappeler qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un nombre réel. Si je prends par exemple x ici, x, un nombre compris entre 2 et 3. Vous voyez, x, il est compris entre 2 et 3. La partie entière de x, c'est le nombre relatif le plus grand qui est inférieur ou égal à x. Ou le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Bien sûr, c'est 2. Dans ce cas, la partie entière de x égale à 2. Ben, si je prends, par exemple, un nombre m ici, et je veux chercher sa partie entière. La partie entière de m, c'est le nombre relatif, ou bien c'est le plus grand nombre relatif inférieur ou égal à m. Bien sûr, le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à m, c'est moins 3. Donc ici, c'est moins 3. Et si je prends, par exemple, la partie entière d'un certain nombre, que j'appelle ici, donc je peux prendre directement 4. La partie entière de 4, c'est combien? Oui, c'est 4. La partie entière de 1, c'est 1. Le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à 1, c'est 1. La partie entière de moins 2, oui, c'est moins 2. Donc, si on veut que la partie entière de x soit différente de x, il faut que ce x ne soit pas un nombre entier relatif. Il faut que ce x ne soit pas un nombre relatif, parce que si x est un nombre relatif, par exemple comme ici, par exemple c'est 4, donc la partie entière de 4 c'est 4, la partie entière de 1 c'est 1, la partie de moins 2 c'est moins 2, donc dans ce cas la partie entière de x sera égale à x, autrement dit x moins e de x est égal à 0. Vous voyez? Donc si vous voulez, je peux écrire ici la partie entière de x est égal à x, ceci équivaut à dire que x a l'élément qui appartient à z. La partie entière de x, il est différent de x, ceci équivaut à x est un élément qui n'appartient pas à z. Donc on peut prendre n'importe quel nombre réel, x qui appartient à R, sauf les nombres entiers relatifs. Donc, D de G est égal à l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X n'appartient pas à Z. Autrement dit, D de G, c'est R moins l'ensemble Z. Autrement dit, on peut prendre n'importe quel nombre réel, sauf les nombres relatifs. Car si je prends x comme étant un nombre relatif, ça sera la partie entière de x est égale à x. Et dans ce cas, le dénominateur est nul, ce qui est impossible. Donc il faut éliminer ces nombres entiers relatifs dans notre ensemble de départ. Et ça donne l'ensemble définition, ou bien le domaine définition, c'est R moins
l'ensemble Z. Maintenant, on va continuer notre cours. On va continuer directement notre cours. Donc, grand 2, fonction. Nous allons voir des fonctions paires, impaires, périodiques. بطبيعة الحال هادو كلهم عرفناهم في العام اللي فات. بون سا نونبيش با دو لو روفوار ماتنون. نعاود نشوفوهم من جديد. اي جو كومونس با لي فونكسيون بير. بتيت ا فونكسيون بير. جو برون ان اكزومبل. Soit la fonction f définie de R vers R qui est tout x. On associe son image qui est x au carré sur x au carré moins 1. Comparons f de moins x et f de x. Allez-y, vous allez chercher f de moins x. Ça y est, vous avez terminé. Dima, à côté du cahier de cours, vous avez toujours le cahier de brouillon. Pour faire certains, ou bien pour réaliser certaines réponses, je commence. F de moins x est égal à moins x, le tout au carré, sur, bon ici c'est moi, sur moins x, le tout au carré, moins 1. Vous savez que moins x, le tout au carré, c'est x au carré, sur, sur x au carré moins 1, qui est égal à f de x. Donc, comme vous voyez, f de moins x est égal à f de x. On dit que f est une fonction paire. On dit, que f est une fonction paire. Et on va écrire la définition. Définition. Soit f une fonction et d de f son domaine de définition. Son domaine de définition. On dit que f, est pair si on a ces deux conditions. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, x appartenant à d de f implique aussi que moins x appartenant à d de f. C'est-à-dire, le domaine définition est symétrique par rapport à 0. On a déjà vu cette définition l'année précédente. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble symétrique par rapport à 0? La deuxième condition, quel que soit x appartenant à ce domaine de définition, f de moins x est égal à f de x.
إذن رد البال، راه ما يكفيش بأنه اف دو موان اكس تيكال اف دو اكس باش تقول بأن اف بي ار، ضروري خص يكون لو دومين ديفينيسيون سيميتريك بارابور ا زيرو، سيتيغ تاخد اكس كي ابارتيان دو دو اف خص تكون موان اكس اوسي ان اليمون كي ابارتيان ا دو دو اف، سيتيغ لوبوزي دو اكس دوات اتر ان اليمون كي ابارتيان دو دو دي دو اف، هذا تيعني بأن دي دو اف سيميتريك بارابور ا زيرو. علاش تيخصو ضروري يكون سيميتريك؟ باش ملي تكون عندنا اف دو موان اكس تيكال اف دو اكس تالولي تنخدمو لا فونكسيون هي في لو دومي اونسومبل، اما تناخدو بحال دروك الا كان عندنا لونسومبل ار هو الدومين ديفينيسيون تنخدمو في ار بلوس، متفقين؟ ولا الا كان عندنا لو دومين ديفينيسيون هو موان انفيني باغ اكزومبل موان 3 اينيون 3 بلوس لانفيني، هذا لا سي ان اونسومبل كي سيميتريك بارابور ا زيرو. دونك ملي تيكون سيميتريك بارابور ا زيرو وتتكون لا فونكسيون اي بير، دونك ماشي ضروري تخدم في لونسومبل توت اونتي، تخدم غير في لونسومبل 3 بلس لانفيني، وملي تترسم لا كوب ريبريزونتاتيف دون سيت اونسومبل tu cherches son symétrique par rapport à l'axe des ordres. On va dire comme remarque. Voilà, je vais ajouter cette remarque comme propriété. Propriété, il a dit Mohim, mais il a dit Steve Domina, la parité d'une fonction, propriété, dont le plan. Muni d'un repère orthogonal, dont le plan muni d'un repère orthogonal la courbe représentative d'une fonction paire tetkun symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a la possibilité de travailler tout simplement sur la moitié, si j'ose dire ça, la moitié du domaine de définition de notre fonction paire. Il y a un domaine de définition. On a la symétrie axial, c'est-à-dire le symétrique de la courbe qu'on a déjà étudié, on cherche son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va regarder un exemple, on va voir dans GeoGebra, pour vous donner l'idée. Maintenant qu'on voit, j'ai ouvert le logiciel GeoGebra et je vais demander à mon logiciel de tracer la courbe représentative de la fonction paire qu'on a étudié, f de x est égal à x au carré moins 1. Donc je vais écrire ici x, cette fonction, donc je mets le rapport, puis au numérateur x au carré, dénominateur c'est x au carré moins 1. Voilà. Et je fais entrer. Et je vois est-ce qu'il a tracé cette courbe. Comme vous voyez au logiciel Arsma, regarde, ces deux branches sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Eux aussi, vous voyez ces deux parties-là, hein, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, un ami tel qu'on a maintenant une fonction, par contre, je vais l'ensemble, le domaine de définition Kamel, je vais faire un dialogue. Par exemple, on travaille sur 0 plus l'infini, à de la partie A. 0 plus l'infini. Puis on trace cette courbe, puis
la moitié de cette courbe que vous voyez ici, puis on cherche leur symétrique par rapport à l'axe des ordres. Le symétrique de la partie ici, ou le symétrique de la nusada, ou nus li ennahnaya. Vous voyez? Et on trouve la courbe représentative tout entière de la fonction f. C'est-à-dire l'utilité des fonctions paires. Mais tu sais, une fonction paire, tu as نقص عليك الخدمه ب 50%. 50% باش تنقص الخدمه. Voilà, on continue. Petit b, on va parler des fonctions impaires. Fonctions impaires. Je prends un exemple, soit f, une fonction définie de r vers r, qui a tout x, on associe son image, qui est égale à sinus x sur x au carré plus 1. Et je vais comparer f de moins x et f de x. Comparons f de moins x et f de x. Allez-y, vous allez comparer f de moins x et f de x. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on écrit f de moins x qui est égal à sinus de moins x sur x au carré plus 1. Ou bien plus, oui, plus 1. Je peux mettre ici moins x le tout au carré. Admin, simplifier, c'est ça. Et vous savez bien que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Moins x le tout au carré, c'est x au carré plus 1. Et cette partie-là, c'est f de x. Donc ceci est égal à moins f de x. On dit que f est une fonction impaire. On dit que f est une fonction impaire. On dit que f est une fonction impaire. Puis, on donne la définition. Bien sûr, la fonction impaire, le domaine de définition, c'est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, si vous prenez un x qui appartient au domaine de définition, il faut que moins x appartient aussi à ce domaine de définition. Donc, je peux écrire la définition. Soit, f, une fonction, et d de f, son domaine de définition. Son domaine de définition. On dit que f est impair. Dans la fardia, si on a deux conditions. La première condition, c'est quel que soit x appartenant à R, x appartenant à d de f implique que x que moins x appartient aussi à d de f. C'est-à-dire le domaine de définition, comme je l'ai déjà dit, est symétrique par rapport à 0. Deuxième condition, quel que soit x appartenant à ce domaine de définition,
f de moins x est égal à moins f de x. بحال لو كاز ديال ليكزومبل ديالنا اللي شفنا. وهاد المساله هذه ديال لا فونكسيون امبير تتعاوننا كذلك بنفس الكيفيه باش عاونتنا لا فونكسيون بير في لا كونستركسيون جيومتريك. تتكون حتى هي لا ريبريزونطاسيون ديالها سي اون كورب كي هي سيمتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. لا ريبريزونطاسيون غرافيك d'une fonction impaire est une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ou هنا تتمنحنا واحد الامكانيه مهمه بزاف في الخدمه في التمارين. يعني ليتود ديال une fonction بحال دروك يطلبوا منا نرسموا une fonction تنخدموا غير la moitié du domaine de définition. La moitié du domaine de définition. L'autre moitié غتكون symétrique bien sûr par rapport aux premières moitiés du domaine de définition. Mais c'est symétrique, c'est-à-dire symétrique par rapport à 0. Donc, tu as un domaine de définition. Tu as tracé la courbe représentative de notre fonction impaire, ou tu as le symétrique par rapport à l'origine du repère. Ou là, tu as 50% du travail. Vous voyez? Donc, je vais ajouter cette propriété. Propriété. La courbe représentative d'une fonction impaire d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. ونشوفوا هاد الوضعيه في جيوجبرا. نشوفوا هاد لا فونكسيون اللي خدمنا وغادي نشوفوا كيفاش هي سيمتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. maintenant on va tracer la courbe représentative de la fonction de notre exemple f de x est égal à sinus x sur x au carré plus 1. donc je vais saisir ma fonction ici. Ici, sinus x, donc je vais chercher sinus x. Voilà, sinus x sur x au carré plus 1. X au carré plus 1. Plus 1. Donc je vais éliminer ça. Voilà, plus 1. Voilà. Entrée. Je vais chercher. Est-ce que ma fonction, ou bien la courbe représentative de ma fonction est tracée. Oui, elle est là. Regardez, elle est là. Donc là, c'est bien, il a dit un point. Le symétrique dit, ok, regarde. Si je prends un point, alors je vais prendre par exemple un point ici. Je cherche son symétrique par rapport au point O. Je tape ce point et ce point, non. J'annule, donc je dois ajouter le centre. Le centre du repère, ou bien l'origine du repère. C'est le centre de symétrie. Regardez-moi au moins le point B, on aura une symétrie O. Voilà. O. Donc, je répète, je cherche le symétrique du point A par rapport au point O. Voilà, il m'a donné le point A'. Comme vous voyez, le point A', il appartient à la courbe représentative de ma fonction f. Donc si je change la position du point A sur la moitié de cette courbe, vous voyez que le symétrique d'Elo, il appartient à l'autre moitié. Vous voyez?
شتي تلاحظ ان حنا ملي تكون نخدموا التمارين من هذا النوع يعني مطلوب منا نتراسيو لا كوب ريبريزونطاسيون دو لا فونكسيون اف بيسك سي اون فونكسيون امبير تنخدموا غير في 0 بلس لانفيني تنخدموا غير هنا في 0 بلس لانفيني و لوتر بارتي تلقاو لها لو سيميتريك بارابور ا لوريجين وي دونك هذه هي ليتيليتي ديال la parité d'une fonction, soit quinte paire ou la quinte impair. Et la quinte paire, c'est qu'on le symétrie, la courbe représentative d'IALA est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la quinte impair, c'est qu'on la courbe représentative d'IALA, symétrique par rapport à l'origine. Maintenant, chez Mitala, chez exemple. Nardou, par exemple, la fonction x au cube. Anadine. تراسيها x او كوب x او كوب سا سي اون فونكسيون امبير اللي خدمنا العام اللي فات نيت دونك هي هادي لا كوب ريبريزونطاتيف ديالها شتيها ها هي تلاحظ لا كوب ريبريزونطاتيف اي لي سيميتريك بارابور ا لوريجين او دونك بالنسبه لينا كنا ما تخدمين شي تمرين انا نقاد بهذه الطريقه تنخدموا غير في هذه لابارتي هذه 0 بلس لافيني تنتراسيو لا كورب ديالنا و لوتر بارتي تلقاوها بلو سيميتريك بارابور ا لوريجين الا كانت لا فونكسيون امبير و الا كانت بير تكون سون سيميتريك اي بارابور ا لاكس دي زوردوني ها حنا غادي ناخذ شي بوان باغ اكزومبل هنا ها هو نيت هنا بو ا ناخذ لوريجين غادي ناخذ لوريجين Voilà, small. Voilà. L'origine, O. Maintenant, le symétrique dit le point A par rapport à l'origine. Voilà, attendez A' qui appartient à l'autre moitié de cette courbe. Vous voyez? Donc, si A parcourt la première moitié, A' parcourt l'autre moitié. Vous voyez? Donc, maintenant, nous avons fait le jeu. Nous avons fait le jeu. Fait la partie 0 plus l'infini. Tant tracé ou la courbe d'Yenna. Puis, on cherche son symétrique par rapport à l'origine. Maintenant, on va parler des fonctions périodiques. Petit c, fonction périodique. Nous allons voir qu'est-ce que c'est. Je prends un exemple d'une fonction que j'appelle périodique. Soit la fonction f définie de R vers R qui est tout x en associé son image qui est sinus de 2x sur cosinus de 2x plus 1. Bon, un exemple de la fonction périodique. Bon, nous avons vu l'année dernière, nous avons vu la fonction sinus ou le cosinus. Nous allons revenir sur l'exemple. Nous allons commencer par l'exemple. Vous allez chercher f de x plus pi. Et vous allez la comparer avec f de x. Donc, nous allons écrire le premier. On va dire, comparons f de x plus pi et f de x. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et comparez f de x plus pi avec f de x. Ça, c'est plus. ردوا البال معايا لانه يتنحرك
ليكرون بعض المرات بحال هكا تنحركو وتمشي ليا شي حاجه من ليكريتور ديالي، اما تمشي ليا للسين بلوس ولا تمشي ليا شي نوب ولا ردوا البال معايا، بعض المرات يوقع هذا الخطا ولا ما تنتبهليش. يلا اون كومونس. اف دو اكس بلس بي est égal à sinus de 2 facteurs de x plus pi sur cosinus facteur cosinus de 2 facteurs de x plus pi puis plus 1. Ça c'est plus. Maintenant, je développe 2 facteurs de x plus pi, donc c'est ça dans sinus de 2x plus 2pi sur cosinus de 2x plus 2pi puis plus 1. Voilà. Cela donne. Et vous savez que le sinus de x, ou bien le sinus de alpha, si vous voulez, plus 2pi, sinus alpha plus 2pi, est égal à sinus alpha. Donc, je vous rappelle le cercle trigonométrique. J'ai, par exemple, ici alpha, et ça, c'est son sinus, ça, c'est le sinus alpha. Donc, si je fais un tour, je reviens à ma position de départ. Un tour, c'est-à-dire 2pi. Donc, sinus alpha est égal à sinus de alpha plus 2pi, qui est égal à sinus de alpha aussi plus 4pi, etc. Donc, je peux appliquer cette propriété ici. Sinus de 2x plus 2pi, c'est sinus de 2x. La même chose pour le cosinus de 2x plus 2pi, qui est égal à cosinus de 2x. حتى هو تيخضع لنفس القاعدة كوسينوس دو ألفا بلس دو بي تيقال كوسينوس ألفا. دروكا هنا عندنا الكوسينوس ألفا هو هذا لو نومبر اللي كاين هنا كوسينوس ألفا. دونك سي جو في ان تور جو روفيان ا على ميم بوزيسيون دو ديبار اللي غتعطيني نفس الكوسينوس. دونك كوسينوس دو ألفا بلس دو بي تيقال سي ا كوسينوس ألفا. Bon, cher, qu'on a l'âme l'y fait. Donc, ça donne sinus de 2x sur cosinus de 2x plus 1. Et ceci est égal à f de x. Donc, comme vous voyez, f de x plus pi est égal à f de x. Dans ce cas, on dit que f est une fonction périodique de période pi. On dit que f est une fonction périodique de période pi. Donc je vais écrire ça. On dit que f est une fonction périodique. Est une fonction périodique. De période pi. On va voir cette fonction dans le logiciel de GeoGebra, sa courbe représentative. On fait mettre fonction périodique de période pi. Bon, on a un logiciel. Et tracer la courbe représentative de la fonction f telle que f de x est égal à sinus de 2x sur cosinus de 2x plus 1. Donc, on va dire que c'est bien là, la fonction d'Yali. Maintenant, le four sinus de 2x. Donc, j'appelle sinus. Voilà, sinus. Sinus de 2x. Donc, j'écris 2x. Sur
Cosinus de 2x, j'appelle cosinus, voilà, cosinus de 2x. Aïe, Arabda, tatarsum. Cosinus de 2x plus 1. Voilà. Aïe, chouf mzien. La courbe représentative de notre fonction, je tiens. T'as la partie t'as de périodiquement. Hein? La partie a dit, la courbe a dit. Aïe, t'as oublié une translation. À la gauche, à gauche et à droite, une translation à gauche et à droite. La courbe a dit. Donc, tout dirait de la courbe, mais head le point. Le point, un de tout le c'est pi. Moins pi sur 2, ou moins pi sur 2. Pi sur 2, moins pi sur 2, c'est un tout le l'intervalle 0 pi. Donc, la fonction f, il est périodique de période pi. Yani, bin 0 pi, t'aoud, indéfiniment. Jusqu'à l'infini, soit à gauche, soit à droite. Je tiens. دائما واحد الجزء هو اللي تيتعاود هو هذا اللي غنشوفو هو هذا ومن هذا البوان لهذا البوان هادي عندنا طول هو بي احنا غادي نشوفو نتراسيو بلاتين جو في اجوتي كلك شوز ici دونك جاجوت لو بوان دو كوردوني احنا غادي نديرو لو بوان de coordonnées pi 0. Pi fin kaina, et pi, non, c'est pas ici, à l'intérieur. Alors on dit pi, virgule 0. Voilà, attendez le point. Alors on chauffe pi sur 2, on dit tenez. ديال واحد البوان احسن ديال 0 بي سور 2 جو ميكسكوز بي سور 2 دونك جو مارك سي بي بغيت نشوف شاش تيدار انا بلاتي نعاود نقاد هادشي بون غوكارد ايسي هاد لو بوان بي اللي رسمت هنا الى بوغ ابسيس بي سور 2 هنا كاينه بي سور 2 هنا كاينه عندنا بي بريم هي لو سيميتريك دو بي هنا عندنا موان بي سور 2 اذا هاد الانترفال موان بي سور 2 بي pi sur 2, plutôt moins pi sur 2, pi sur 2, tol dielu ou pi. Bach t'en arrafo tol dielu, t'en n'akhdu had, l'abscisse li inda, ou t'en n'aksum nu hada. Pi sur 2, moins pi sur 2, c'est pi. Alak chi alash galou, la période, y a pi, va de la fonction f. Hit had chi, va de l'intervalle, li tol dielu, pi ti ta'oud. Ta ta'oud fi, la courbe, nefs le kifia. Nefs le kifia, n'ayya. An chufa, hna fa, l'exemple, gha, hna sahel, li wa, cosinus x. On va changer l'exemple. On a choisi un mythe. Mais le plus simple, c'est qu'on a choisi un mythe facile. Par exemple, le cosinus. On va voir cosinus x. C'est une fonction périodique. Voilà, il y a la fonction de l'élite. Il a la courbe. Mais il y a le point. Il y a le point. Il y a le point. Vous voyez تعاوتاني هنا بنفس الكيفيه وغاديه جوسكا لانفيني يعني الا خديت من هذا البوان تنعاود نرجع لنفس البوان هنايا عندنا الميم اوردوني شتي هذا البوان هذا واخا ندير واحد العمليه باش نشوفوها مزيان غادي ديبلاسي شويه لا كوب هكا ونكبرها هاك سي بون سا كوم سا مزيان يعني من هذا البوان هذا هذا اللي عندنا هنا حتى لهذا تتعاود الكورب اذا الطول ديال هاد لا ترونش الطول ديالها هو 2 بي باش بنا نعرفوا 2 بي ساهله غادي نتراسيو هاد البوان هنايا ونشوفوا لابسيس ديالو بلا لقاو لابسيس ديالو هو 2 بي 2 بي هي جوج في 3.14 جوج في 3.14 هي 6.28 شوف هنا كاينه 6 وهنا كاينه حداها غتكون 6 تقريبا 28 دونك لا فونكسيون كوسينوس
c'est une fonction périodique de période de pi. Ou d'ailleurs, la dalle, quand tu dis f de x plus 2pi, il y a cosinus de x plus 2pi qui est égal à cosinus x. Donc, h'n'est-il la fonction périodique. Il y a une limite la fonction il est périodique, tu as tout de suite l'intervalle 0 de pi, il est تتعود فيه لا فونكسيون يعني نقدر نخدم غير من 0 حتى ل 2 بي وندير لها اون ترانسلاسيون دان سارتان فيكتور كي هي بور كوردوني 2 بي 0 حنا غادي نشوفوها جو في افاسي سيت او جو في بروندر اون فونكسيون هاي غادي نكتب اون فونكسيون وغادي ديسيدي لها لانترفال دو ديبار دونك لو بوان دو ديبار سي 0 puis 2pi, 2pi. Donc je vais chercher pi. Voilà, pi, il est là. Puis, ah, tout d'abord, je dois écrire ma fonction, latine audelchi. Je m'excuse. Tout d'abord, نسيت الطريقة أنا غادي نعاودها فونكسيون لا فونكسيون اللي تندير في النوب الأولى هي كوسينوس كوسينوس إكس كوسينوس إكس بوي نكتب البوان ديبار سي زيرو البوان داريفي سي دو بي فوالا هاي ترسمت لي على كوخب شتي لاحظتي هي الكور بالترسمات هي واحد ترونش فيها من 0 حتى ل 2 بي هادشي اللي تنديرو حنا في التمارين الا بينا نتريتيو اون فونكسيون بيريوديك تنشوفو لا بيريود ديالها هي 0 دو بي و تنرسموها في هذيك لا بيريود و اون فوا ايتيليزي لا ترانسلاسيون دو فيكتور 0 دو بي نشوف هاد البوان هذا هذا لو ديرني بوان على هذا البوان هذا هو اللي مهم عندي غادي نتراسي لا بروجيكسيون اورتوغونال ديالو سي هادي باش نشوف لابسيس ديالو دونك جابيل سو بوان فوالا جو تراس لو فيكتور باش ندير لا ترانسلاسيون فوالا دونك انا غادي ندير لا ترانسلاسيون ديال هاد لا كوب à l'aide du vecteur U. Donc j'appelle la translation. Allez, la translation. Objet à déplacer, c'est de la courbe. Ou le vecteur de translation, voilà. Je allez, attendez l'autre partie. Ou là, obtenir la translation. Allez, on a la translation. Le vecteur. وغادي الى كوب وتطوال وحتى في الجهه الاخرى هنا ما خصنيش شونجي لوريونطاسيون ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون فهمتيني وهنا غتعطينا لا كوب كلها دونك لا فونكسيون بيريوديك الى توصلنا ليها تنخدموها غير في الانترفال دو لونغور 0 دو بي وتنتراسيو لا كوب ديالنا كي درنا هنا في هذا ليكزومبل هذا وتن Et on va faire subir une translation du vecteur U. Et le vecteur U à la longueur d'IELO, si vous voulez, ou bien la, le module d'IELO, ou bien la norme d'IELO, il est de pi. Tôle d'IELO est de pi. Autant dire l'image d'IELO, la courbe l'IENA, l'intervalle 0 de pi, par la translation T du vecteur U, qui est pour coordonnée de pi 0, fin d'exemple là. ونفس المساله تنعاودها بالنسبه لاي مثال اللي تتكون فيه لا فونكسيون اي بيريوديك هنا غادي نضطر نوقف هذه الحصه والحصه الجايه ان شاء الله لا سيونس بروشين نعاودو نتكلموا على هذه لا فونكسيون بيريوديك ونكتبوا لا ديفينيسيون ديالها و سي بروبريتي Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif F2 du collège Beauzeitoun Marrakech. À très bientôt.